Je voudrais adresser d'abord des remerciements au docteur Manuel Perlot, d'abord le directeur de l'Institut, à la doctora Anna Bouquet, qui dirige le programme de la Coupée. Je voudrais remercier plusieurs autres personnes, donc en particulier Marta Lamas, mais je vais revenir sur elle tout à l'heure. Angela Giglia. Je voulais aussi remercier Elena Lopez qui a beaucoup participé à l'organisation de cette réunion. Je voudrais aussi remercier Marta Ferreira. Et dire que grâce à toutes ces personnes, j'ai bénéficié d'un accueil extraordinaire au Mexique. C'est la première fois que je viens dans votre pays et je suis très impressionné, non seulement évidemment par les civilisations sur lesquels, après lesquels vient, vient le travail universitaire et ce magnifique site hein, de l'Université du Mexico. Mais je suis aussi très impressionné par le travail intellectuel hein, qui est fait dans ce programme. Et je, après avoir entendu l'introduction, la présentation qu'a faite Marta Lamas, je me dis qu'au fond, elle est parfaitement capable d'expliquer la psychodynamique du travail et que donc il est inutile que je vienne en parler parce qu'elle peut le faire mieux que moi. Voilà. Et... voilà, ça nécessiterait des commentaires, mais peut-être que nous aurons l'occasion de les reprendre dans la réunion scientifique demain, plus dans le détail, de la façon dont, ici au Mexique, la recherche sur la clinique et la psychodynamique du travail sont essentiellement reçues par des anthropologues et non pas par des psychologues, par des psychanalystes, par des ergonomes, enfin il y a différentes disciplines, la médecine du travail aussi, qui sont plus directement en France mais aussi dans d'autres pays intéressés par cette clinique. C'est très important que pour moi, c'est très important pour moi que, ici au Mexique, ce soit dans le cadre intellectuel de l'anthropologie que ces questions puissent être soulevées. Alors, peut-être nous pourrons discuter de ça à la fin. Et puis je voudrais enfin remercier Aide Silva, parce que c'est elle qui fait la traduction, et que je vais lui donner à mon tour beaucoup de travail. Et donc d'avance, je la prie de m'excuser. Je ne sais pas vous, oui, j'écoute en même temps. J'écoute Aïdé Silva en même temps. Voilà, donc dans la période contemporaine, lorsqu'on parle du travail, on parle essentiellement des conséquences néfastes, des conséquences délétères du travail sur la santé mentale. C'est vrai en France, mais c'est vrai aussi dans les autres pays d'Europe où j'ai eu l'occasion d'intervenir. C'est aussi vrai dans plusieurs pays d'Amérique latine où un certain nombre de chercheurs travaillent sur la clinique et la psychodynamique du travail. Le premier point de préoccupation, c'est celui des effets délétères
de l'organisation du travail sur la santé mentale. Et c'est vrai que du point de vue historique, l'essentiel des recherches pendant les 20 premières années, c'est-à-dire entre 1980 et 2000, portait sur la souffrance au travail, sur les défenses dont Martin Lamas a parlé, les stratégies de défense qui constituent un champ clinique absolument extraordinaire. Je n'aurai pas le temps de vous parler aujourd'hui, mais qui est une vraie découverte de la clinique, c'est l'intelligence des travailleurs pour inventer des manières de se protéger des effets délétères de l'organisation du travail sur leur santé mentale. La particularité de ces défenses, c'est que d'une part, il y a des défenses individuelles que l'on connaissait déjà grâce à la psychanalyse, mais ce qui est peut-être plus étonnant, mais qui est une vraie découverte de la clinique du travail, c'est qu'il existe aussi, dans les milieux de travail, des stratégies de défense qui sont construites collectivement par les travailleurs pour lutter ensemble contre le risque de devenir fou de la confrontation au travail. Et ces stratégies de défense collectives sont bouleversantes d'intelligence et donnent lieu à des descriptions qui tout à coup font apparaître à quel point le travail n'est pas seulement un environnement, ce n'est pas une condition extérieure, comme le pensent la plupart des chercheurs, des penseurs, notamment quand on réfléchit en termes de stress au travail, on pense que le travail c'est un environnement et que l'individu est soumis à des actions néfastes ou délétères pour le fonctionnement psychique. Non. Le travail, j'essaierai de vous le montrer dans un instant, n'est pas un environnement. Le travail vivant, le véritable ressort de la production de la valeur, de la production d'un travail de qualité, exige que le travail soit à l'intérieur de la subjectivité. Il faut que ce qui est donné au départ comme un ensemble d'exigences et de contraintes soit approprié, entre dans la subjectivité et oblige la subjectivité tout entière à se faire habiter par le travail. Sinon, il n'y a pas de production de qualité, il n'y a pas de production de valeur. Donc le travail, il est intrasubjectif et pas un environnement. Et c'est à partir de là que naissent aussi les obligations, les contraintes qu'éprouvent les travailleurs du fait de cette appropriation subjective, on peut aussi comprendre quelquefois comme une forme d'invasion de la personnalité par les préoccupations du travail. C'est à partir de là que naissent aussi les inventions défensives qui sont caractéristiques de chaque métier, ce qui fait que des stratégies collectives de défense spécifiques des gens du bâtiment, des travaux publics, pas du tout les mêmes que celles qui sont inventées par les gens qui travaillent dans le nucléaire, ce ne sont pas les mêmes que les stratégies qui sont inventées par les gens qui travaillent dans la pétrochimie, ce ne sont pas les mêmes que celles qui travaillent dans les hôpitaux. Il y a aussi des stratégies collectives de défense dans les hôpitaux, et on peut comme ça continuer à étendre la liste, mais la description de ces stratégies de défense conduit à une description du travail qui est totalement différente de celle qui domine le monde économique et le monde du travail, qui est une description qui, jusque à la fin du XXe siècle, a été essentiellement une description faite par des ingénieurs. C'est les ingénieurs qui décrivent le travail. Et nous ne connaissons le travail que sous la description des ingénieurs. Under the description, c'est un concept philosophique. Nous ne connaissons le monde pas jamais directement, nous ne le connaissons jamais que sous certaines descriptions. Et la connaissance que nous avons du travail, les sciences du travail, ont été toujours dominées par les ingénieurs, jusqu'à la fin du XXe siècle.
Aujourd'hui, il en va un peu différemment. C'est un grand bascule très important dont il faudra qu'on discute. Les ingénieurs ont perdu le pouvoir. Les ingénieurs, c'est Taylor. Vous avez dû entendre parler de Taylor et le taylorisme et le travail répétitif sous contrainte de temps. Mais Charlie Chaplin, le temps moderne. Ford et la chaîne de montage. Ono et le toyotisme, c'est ce qu'on appelle le modèle japonais. C'est toujours des ingénieurs qui ont pensé le travail et c'est des ingénieurs qui ont imposé leur description du travail. Depuis la fin du XXe siècle, s'est produit un bouleversement important. Les ingénieurs ont perdu le pouvoir et à la place des ingénieurs, ce sont les gestionnaires qui ont maintenant le pouvoir sur le monde du travail. Et ça change tout. Donc aujourd'hui, nous sommes sous la domination d'une description gestionnaire du travail, mais elle ne correspond évidemment pas du tout à la description qu'on a lorsque l'on part du vécu subjectif des travailleurs eux-mêmes et ce sont des descriptions qui font une place à quelque chose dont je vais être obligé de discuter, c'est que si ce travail est intrasubjectif, il y a une conséquence majeure, c'est que l'essence même du travail n'appartient pas au monde visible. On ne voit pas ce qui se passe subjectivement. Dans la subjectivité, ce qui se passe dans la subjectivité, dans l'intelligence au travail, n'appartient pas au monde visible. Et donc nous sommes obligés, pour avoir accès à ce travail subjectif, de passer par la parole de ceux qui travaillent, des hommes et des femmes. Je dis bien les hommes et les femmes. Parce que les hommes et les femmes ne vivent pas du tout la question du travail de la même façon. Ils ne subissent pas les mêmes contraintes. Quand on est un homme et quand on est une femme, les rapports de domination dans le travail ne sont pas les mêmes. Les stratégies de défense qui sont inventées par les hommes, les stratégies de défense qui sont inventées par les femmes, ne sont pas les mêmes. Ce travail dont je vous parle, ce travail qui repose sur la mobilisation de la subjectivité individuelle, irréductiblement individuelle de chaque travailleur, ça s'appelle le travail vivant. C'est un terme qui vient de Marx, du jeune Marx, c'est-à-dire la période où Marx fait essentiellement une œuvre de philosophe et où, s'intéressant au travail, il introduit ce terme de travail vivant qu'il va petit à petit abandonner, mais qui est très important pour nous parce que, comme vous le savez peut-être, si, comme j'y ai insisté il y a un instant, le travail est essentiellement connu sous la description des ingénieurs, la contrepartie c'est qu'il y a peu de philosophes qui se soient vraiment intéressés à la question du travail. Et Marx constitue un de ceux qui s'est quand même vraiment attaqué à la question du travail, et ce concept de travail vivant a été rapatrié donc dans la clinique et la psychodynamique du travail, et c'est de ça que je vais essayer de vous parler essentiellement. Donc, on pensait jusqu'à présent que, et ce n'est pas faux, que le travail est un malheur socialement généré. Pour aider, je reviens en tête. Et de fait, il faut bien reconnaître que l'évolution du monde du travail, au moins dans le monde occidental, est assez préoccupante. Pourtant, au même moment où il faut déplorer les dégâts psychiques engendrés par le travail contemporain, on doit reconnaître que le sort fait aux chômeurs est pire encore. Si le travail peut générer le pire, je dis bien le pire, parce que nous sommes entrés dans une phase de l'histoire assez particulière qui va jusqu'à pousser un certain nombre de travailleurs jusqu'au suicide sur les lieux du travail. Ça n'existait pas autrefois. C'est récent, ça date de la fin du XXe siècle. En fait,
fait, c'est surtout au début du 21e siècle, à partir des années 2000, que les suicides ont commencé à être reconnus, y compris les suicides sur les lieux du travail, qui marquent une sorte d'étape historique extrêmement grave dans la détérioration des rapports entre l'être humain et le travail, qui est une véritable préoccupation. Il y a une explosion des pathologies mentales au travail, dont on parle beaucoup en France, beaucoup plus que dans les autres pays du monde. Mais la seule différence, c'est qu'on en parle beaucoup en France. Mais ça existe dans les autres pays. Les suicides au travail existent dans les autres pays. Et je suis allé récemment au Chili, et nous avons eu des réunions consacrées à la question du suicide au travail. C'est extrêmement impressionnant, le nombre de suicides, notamment chez les autres. Avec ces syndicats-là que nous avons travaillé, c'est des syndicats de chauffeurs d'autobus à l'intérieur de la ville de Santiago. Comment un tel nombre de conducteurs d'autobus en viennent à se suicider, c'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau, extrêmement impressionnant. Il y a toujours des raisons, bien sûr, et ce sont des transformations extrêmement sérieuses, extrêmement précises de l'organisation du travail qui sont en cause. Donc, si le travail peut générer le pire, il faut aussi considérer que le travail peut générer le meilleur et pour un certain nombre d'entre nous, être un moyen extrêmement puissant pour la construction de la santé. Alors, le problème se déplace. Pourquoi la situation tourne-t-elle au malheur ou pourquoi tourne-t-elle au bonheur? Si on est en mesure de répondre à cette question, on peut se poser la question, une nouvelle question, que faire de cette connaissance pour agir en faveur de la santé au travail dans le monde en général? Donc c'est à ces deux questions que je vais essayer de répondre. Et au point de départ de l'analyse, il faut donc insister sur un élément que je crois important de clarification. Alors que la santé du corps est essentiellement liée aux conditions de travail. Les conditions de travail, ce sont les conditions physiques, les conditions chimiques, les conditions biologiques de travail. Je ne vais pas le détailler, je pense que vous savez un peu ce que c'est. C'est le champ classique de l'action de la médecine du travail et aussi d'une autre discipline que vous connaissez peut-être moins, mais qui est importante, qui s'appelle l'ergonomie. Si donc la santé du corps essentiellement liée aux conditions de travail, la santé mentale, quant à elle, dépend essentiellement de l'organisation du travail. Si donc on veut agir en faveur de la santé mentale, il faut analyser l'organisation du travail de façon approfondie en vue de la transformer. La détérioration de la santé mentale au travail est donc électivement, actuellement, sous les formes dramatiques dont je viens de parler, c'est lié certainement à une évolution de l'organisation du travail. Et ce qui a changé ces dernières années, c'est l'introduction de techniques nouvelles dans l'organisation du travail, parmi lesquelles on trouve principalement trois méthodes à laquelle je crois qu'il faut en ajouter maintenant une quatrième. La première méthode, c'est l'introduction dans le monde entier de l'évaluation individualisée des performances. Vous verrez pourquoi c'est un changement massif qui bouleverse complètement le travail et qui explique en grande partie l'explosion des pathologies mentales du travail à travers le monde. La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle la qualité totale. La troisième, c'est le recours banalisé, on pourrait dire, voire généralisé à la sous-traitance, et notamment à la sous-traitance en cascade, et d'une façon générale à la précarisation de l'emploi. À ces trois méthodes, il faudrait en ajouter une quatrième, je crois aujourd'hui, je suis sûr qu'il faut l'ajouter, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. C'est la normalisation. C'est-à-dire la normalisation des tâches, la standardisation des tâches, qui est sous-tendue par l'idée que parmi les différentes manières de travailler, il y en a
certaines qui sont meilleures, plus efficaces, qui coûtent moins cher. Et quand on a isolé cette manière de travailler, il faut ensuite qu'elle soit standardisée et généralisée et que tout le monde travaille de cette façon. C'est un changement extrêmement grave dans l'organisation du travail qui touche en particulier, et c'est sans doute là que c'est le plus cruel, les activités de service. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les activités de service, qui ne sont pas les activités industrielles. Mais bon, les activités de service sont des activités qui impliquent une relation de service entre celui qui est le producteur du service et celui qui va être le bénéficiaire du service. La qualité du travail dépend de cette relation. Et la caractéristique d'une activité de service, c'est qu'elle est individualisée. Chaque service, c'est pour cette personne, ce n'est pas la même chose que pour telle autre. Si je soigne un malade diabétique, il n'a pas la même histoire médicale, il n'a pas le même âge, il n'a pas les mêmes antécédents, il n'a pas les mêmes complications que l'autre. Donc, je dois adapter mon service à la personne. Donc, la standardisation est un contresens radical. C'est pourtant ce que l'on introduit massivement dans le monde du travail aujourd'hui, notamment dans le service public. Et donc toutes les activités du service public sont sous la contrainte de cette contradiction absurde de la standardisation et qui est connue aujourd'hui donc, sous le nom d'une grande campagne engagée par les gestionnaires et qu'on appelle le New Public Management. Je ne vous en parlerai pas plus que ça aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est extrêmement grave parce que ça a des conséquences psychiques terribles pour ceux qui sont dans la relation de service. Terrible, extrêmement grave. Donc, je vais d'abord vous parler du travail vivant au niveau individuel. Si on peut aujourd'hui étudier les ressorts de la pathologie mentale au travail, comment, à contrario, caractériser les conditions qui seraient favorables à la santé mentale? Pour répondre à cette question, il faut entrer dans la matérialité même du travail, c'est-à-dire aller jusqu'aux gestes, aux idées, aux affects qui forment le cœur de ce qu'on pourrait désigner comme le travailler. Comme on dit, le souper, le dormir, ce sont des verbes substantifs. Le travailler. Le travailler, comme on dit, le travailler ou encore ce qu'on conviendra de caractériser par cette belle expression de Marx que je vous ai déjà annoncée, celle de travail vivant. Depuis que les ergonomes ont procédé à ce qu'on appelle l'analyse ergonomique du travail, ou analyse ergonomique de l'activité, la tâche, la tâche définit l'objectif à atteindre, ainsi que le chemin qu'il faut parcourir pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire le mode opératoire. La tâche, c'est ce qui est prescrit par l'organisation du travail, et donc déjà, Martha Lamas a un peu parlé. Mais les ergonomes ont montré que les travailleurs ne respectent jamais les prescriptions dans leur intégralité. Jamais. En toutes circonstances, y compris dans des tâches qui durent moins d'une minute, les opérateurs trichent. Pas seulement par plaisir de transgresser et de désobéir, et parce qu'il faut faire face aussi à des anomalies, des incidents, des pannes, des dysfonctionnements, des imprévus qui inévitablement viennent troubler le bel ordonnancement de la production. L'opérateur triche pour essayer de faire le mieux possible, dans le temps le plus court possible, et je pourrais vous montrer si on avait le temps, qui cherche à économiser le temps pour être en avance sur l'incident. Et il triche pour gagner du temps, mais il triche aussi pour prévenir l'incident. C'est une intelligence orientée vers l'anticipation, parce que tout incident qui survient est une cause de souffrance.
c'est long à vous expliquer, et pourtant c'est indubitable. Quand vous conduisez une centrale nucléaire, s'il y a un incident, c'est très angoissant. Si vous êtes sur une chaîne de montage automobile et que vous prenez un écrou et que vous essayez de l'entrer dans la vis et que ça n'entre pas, vous perdez du temps. Et vous coulez, ça s'appelle couler. C'est terrible parce que les autres vont commencer à crier, vous vous faites mal, vous déchirez les barres. Enfin, c'est un petit incident, c'est très grave. C'est toujours de la souffrance. Donc l'intelligence essaye d'être en avance pour moins souffrir. Vous voyez déjà se profiler le rapport entre la souffrance et l'intelligence. La souffrance, ça n'est pas seulement le terme malheureux de l'organisation du travail. C'est aussi le point de départ d'une intelligence qui va chercher à résoudre le problème, parce que résoudre le problème, c'est aussi résoudre la souffrance. Tous les incidents qui viennent perturber les prévisions et les prédictions, dans la théorie, conceptuelle, ça s'appelle le réel du travail. Le réel du travail, c'est un terme un peu paradoxal, c'est ce qui se fait connaître à celui qui travaille par la résistance de la matière, des outils, des objets techniques, voire la relation de service, la résistance du client, des usagers. Résistance à la maîtrise technique. Il y a donc un paradoxe quand même. Lorsque j'use d'une technique que je connais bien, voilà que soudain ça ne marche plus. Le bug sur l'ordinateur, la pièce qui se casse sous la presse, la machine-outil qui surchauffe, le corps du malade qui fait un accident allergique quand je lui injecte un médicament. Or, tout travail est ainsi grevé par les irruptions de la résistance du réel. Le réel donc se fait d'abord connaître comme un échec. Un paradoxe. Le réel, c'est quand ça ne marche plus. L'échec. Par exemple, lorsque j'étais interne en médecine débutant, j'avais un vieux malade, russe, hospitalisé pour un cancer du poumon. Il avait un épanchement pleural qui aggravait beaucoup sa dyspnée, et donc je décide de lui faire une ponction pour vider le liquide qui est dans le poumon. Mais j'aimais bien ce patient. Et je ne voulais pas lui faire mal. Alors, comme il faut enfoncer un gros trocard, j'ai décidé que ça fait mal. Je lui injecte 1 ml de xylocaïne, qui est un anesthésique, pour anesthésier la zone de ponction. Et voilà qu'il fait une réaction suraiguë. Xylocaïne, il fait ce qu'on appelle un état de choc. Il se trouve que pour cette ponction, je l'avais fait descendre dans une salle de réveil de chirurgie. Les réanimateurs et les traumatistes à côté, ils viennent m'aider, ils intubent le malade, mais le bronchospasme est absolument invincible, et malgré de fortes doses de corticoïdes, l'air est insufflé, mais il ne passe pas dans l'éponge, et en quelques minutes, il se transforme par l'emphysème cutané en une espèce de poupée gonflable, complètement difforme. Il fait une fibrillation ventriculaire, cardiaque, on le choque, une demi-heure de massage cardiaque, rien n'y fait, il décède. J'ai tué mon malade. C'est une expérience horrible, c'est celle du réel. Le réel, c'est ce qui se fait connaître à celui qui travaille par sa résistance au savoir-faire, aux procédures, aux prescriptions. Plus généralement, ce qui se révèle sous la forme d'une résistance à la maîtrise technique, voire une résistance à la connaissance. Le travail vivant, c'est ce travail qui commence par l'épreuve du réel. Et cette expérience du réel est d'abord et avant tout, elle est d'abord affective. Elle génère un sentiment de surprise, bientôt relayé par de l'agacement, de l'irritation, voire par la colère, et par la déception, la fatigue, le doute, le découragement, le sentiment d'impuissance. C'est-à-dire que le réel se révèle d'abord à celui qui travaille sur un mode affectif, plus précisément sur un mode pathique, c'est-à-dire sur un mode passif de la souffrance.
Travailler, c'est toujours d'abord échouer. Et ensuite, travailler, c'est toujours souffrir. Il n'y a pas de travail sans souffrance. La difficulté avec le réel, c'est que souvent on ne sait pas comment y faire face. On ne connaît pas. Merci. On ne connaît pas la solution. Le réel, c'est souvent une épreuve inédite, inattendue, inconnue. Et travailler alors, cela implique précisément la capacité de faire face au réel jusqu'à ce que je trouve la solution qui permettra de surmonter le réel. Seulement voilà. Si la solution, je ne la connais pas, il faut que je la découvre par moi-même. Il faut parfois que je l'invente. En quoi consiste donc l'intelligence dont il faut faire usage pour pouvoir surmonter le réel? Eh bien, cette intelligence, c'est avant tout la capacité de reconnaître le réel, puis d'assumer son impuissance face à ce dernier, perte de maîtrise, et puis surtout, et c'est le plus difficile, il faut faire preuve d'endurance. Endurance à l'échec. Je ne réussis pas, mais je n'abandonne pas. J'insiste, je persiste, je m'obstine, je cherche. Et parfois, cela dure plusieurs jours. J'y repense en dehors de mon travail. J'y pense le soir, et je ne peux pas m'endormir. Je fais même des insomnies à cause de mon travail. Et j'en rêve. Le rêve, il fait partie du travail. L'intelligence au travail, c'est tout ça. Pour inventer et trouver la solution, il faut accepter de s'engager complètement, avec toute sa personne, avec toute sa subjectivité. Et à force d'endurance face à l'échec, je finirai par avoir l'intuition de la solution. Mais cela mérite d'être souligné, l'intuition naît de l'intimité avec la tâche, avec la matière, avec l'objectif qui résiste. Il faut échouer, endurer, recommencer, échouer à nouveau, persister, revenir à l'ouvrage, et à un moment surgit une idée, la solution. Et j'insiste sur ce point, la solution est un rejeton de l'échec et de la familiarisation avec l'échec. C'est parce que j'ai échoué 10 fois que la 11e, je tombe. La solution, elle vient de l'échec. Il faut comprendre, c'est un point très important du travail, que c'est parce que j'ai résisté, parce que j'ai insisté, parce que j'ai cherché, et que j'ai échoué plusieurs fois, que à un moment donné, vient une idée nouvelle. Mais cette idée nouvelle ne pourrait pas venir si je n'avais pas supporté d'échouer et de recommencer plusieurs fois. Donc la solution vient de la capacité à endurer l'échec, c'est-à-dire de la capacité à souffrir. Travailler donc, c'est d'abord échouer, c'est ensuite souffrir, et la solution technique est une production directe de la souffrance au travail. La souffrance n'est pas seulement la conséquence contingente et régulière du travail, elle est au contraire ce qui pousse le sujet qui travaille à chercher la solution pour s'affranchir précisément de cette souffrance qui le travaille. Voilà, je pourrais vous montrer aussi que cette souffrance est le mode fondamental par lequel se constitue cette connaissance extraordinaire du réel, cette connaissance intime du réel. Donc voilà, si j'avais le temps, je vous montrerai, est toujours une connaissance par corps. C'est le corps qui palpe le monde et la résistance, qui l'oppose à notre technique. Et c'est cette connaissance par corps que jaillit à un moment donné l'idée, l'intuition du choix, qui permettra de ruser avec le réel et de le surmonter. C'est ce que les auteurs allemands, c'est Böhl et Mulcahy, désigne sous le nom de activité subjective, dit-on en français. En allemand, c'est Subjektivieren des Handelns. Et c'est une forme d'intelligence qui était bien connue dans l'Antiquité par les Grecs et qu'ils dénommaient sous le nom de métis. Métis, qui est une forme d'intelligence particulière, qui était d'ailleurs divinisée. Et métis était une déesse. Donc, je pourrais vous raconter l'histoire si vous ne la connaissez pas. On pourrait montrer aussi que cette endurance à la lutte avec le réel conduit finalement celui qui travaille à
une sorte de déplacement de soi-même. Il faut en somme remanier son rapport à soi-même pour trouver enfin la solution. De sorte qu'en fin de compte, travailler, ce n'est jamais uniquement produire, c'est aussi accepter pendant tout ce temps qui va jusque dans la nuit de se transformer soi-même. Donc le travail, c'est un travail de production, mais vous ne trouverez les solutions que si vous acceptez de faire un travail sur vous-même, qui est un travail de soi sur soi, qui mériterait évidemment de longs développements, que je n'ai pas le temps de faire pour l'instant, mais on connaît bien maintenant, on sait bien l'écrire. Au terme de cette épreuve de l'endurance au travail, j'ai acquis de nouvelles habiletés, de nouvelles compétences. Il faut le dire, je suis plus intelligent après la confrontation avec le réel, avec la résistance du monde, que je ne l'étais avant d'avoir travaillé. Dans tout travail de recherche, par exemple, on se heurte à des situations qu'on ne comprend pas. Quand j'étais jeune et que je faisais des cours de biologie, chaque fois que j'essayais de faire une préparation de pancréas, c'est un organe qui est dans l'abdomen, l'expérience consistait à préparer un pancréas isolé et perfusé sur des rats. À chaque fois que je faisais la manipulation et qu'il fallait commencer à faire l'expérience, ça ne marchait pas parce que le pancréas se nécrosait, c'est-à-dire que le tissu s'abîmait très vite, ça ne marchait pas. Il y avait donc quelque chose dans ma manière de travailler qui ne collait pas, puisque les autres expérimentateurs, ils arrivaient à faire l'expérience. Moi, je n'y arrivais pas. Alors que je respectais scrupuleusement les procédures et les protocoles. Travailler ici, c'est continuer à chercher, recommencer, et puis finalement trouver une solution. Il faut la découvrir, il faut l'inventer. J'ai fini par trouver un truc, une ficelle, ou encore une astuce. Elle consiste à caresser et à amadouer le rat avant d'anesthésier et à faire pendant l'intervention les gestes les plus économiques, les moins traumatisants possibles. Alors, la préparation du pancréas ne se décroche pas. Le truc, c'est de caresser le rat pour être en bonne relation avec lui avant de le tuer. Ça n'est personne m'a appris. J'ai trouvé. De cette analyse du décalage entre la tâche, c'est-à-dire ce qu'il faut faire, et l'activité, vous avez deux concepts à tâche, c'est ce qu'il faut faire, et le mode opérateur prescrit, ce que les gens font en réalité, ça s'appelle activité. Ce décalage entre la tâche et l'activité, entre le prescrit et l'effectif, avec entre les deux le réel, on peut tirer deux leçons. La première, c'est que travailler, c'est fondamentalement combler cet écart entre le prescrit et l'effectif. Ou pour le dire autrement, c'est ce qu'il faut ajouter aux prescriptions pour venir à bout de la tâche et du réel. Le deuxième, c'est que le travail oblige celui qui travaille à se transformer soi-même et dans le meilleur des cas, permet à ce dernier de progresser, voire d'étape en étape de s'accomplir soi-même. C'est une première approche du plaisir au travail qui, au plan théorique, entretient des rapports étroits avec la théorie en psychanalyse de la sublimation. Mais il y a comme une malédiction sur ce qui est au cœur du travail, car tout ce dont je viens de vous parler ne se voit pas et ne peut pas se voir. Les réactions affectives à la résistance du réel et à l'échec ne se voient pas. L'irritation, le découragement, le doute sur sa propre compétence ne se voit pas. Mes insomnies ne se voient pas. Les effets de ma mauvaise humeur sur mon conjoint et mes enfants, cela ne se voit pas sur le lieu du travail. Et lorsque je rêve de mon travail, qui est en fait un temps essentiel de cette transformation de soi sur soi, lorsque je rêve, lorsque j'imagine une solution, mon imagination comme mes rêves ne se voit pas. Vous ne verrez jamais mes rêves. Ça ne fait pas partie du monde visible. La souffrance, d'une façon générale, n'appartient pas au monde visible. Et comme en outre, pour aboutir à ce résultat, je suis obligé de ruser, de tricher, d'enfreindre les règlements. Je ne peux pas même montrer comment je suis parvenu à résoudre le problème et à surmonter le réel. Je vous en donne un autre exemple qui a été étudié par
un de mes étudiants. Il s'agit des assistantes maternelles qui travaillent auprès de tout petits enfants, dont plusieurs sont encore des nourrissons. Après le repas de midi, les jeunes enfants font la sieste. L'assistante maternelle doit les surveiller pendant leur sommeil pour prévenir d'éventuels incidents. Un enfant enrhumé qui tousse et qui s'étouffe. Un autre qui fait une pause respiratoire trop prolongée. Un autre qui régurgite des asphyxies. C'est une grosse responsabilité. Il y a parfois jusqu'à 20 enfants à surveiller ensemble. C'est difficile. Les assistantes maternelles ont toujours peur de ne pas percevoir l'incident à temps. L'autre difficulté pour les assistantes maternelles, c'est de résister à l'endormissement. Car ces femmes, elles sont fatiguées. Elles viennent souvent de loin, ce sont des tâches mal rémunérées, mal considérées. Quand les enfants dorment, c'est contagieux. Elles ont tendance à s'endormir. Alors, elles ont trouvé une ficelle, qui elle aussi est une production de l'intelligence du corps. Elle s'assoit, elle prend de la laine, des aiguilles et elle tricote. En tricotant, elles évitent de s'endormir. C'est une activité silencieuse, qui a aussi l'avantage de distraire l'assistante de l'écoute trop appliquée des enfants. Parce que quand on écoute trop les enfants, toutes les respirations deviennent suspectes. Donc, tout le temps, il y a quelque chose. On ne sait plus. En tricotant et en quittant des yeux les enfants, l'assistante se laisse aller à une sorte d'écoute flottante. Elle établit une sorte de symbiose avec le bruit et le murmure des respirations. Elle se familiarise. Et là, dès qu'une variation survient dans ce bruit de fond, elle repère immédiatement qu'il y a quelque chose d'anormal, et aussitôt quel est l'enfant qui ne va pas bien. C'est un savoir-faire de métier. Si je vous raconte cette histoire, c'est parce qu'elle permet d'attirer l'attention sur plusieurs questions importantes. Que peut penser le directeur administratif lorsqu'il voit ou lorsqu'il apprend que l'assistante maternelle tricote pendant ses heures de travail? Un directeur administratif peut-il comprendre que tricoter, ce soit une manière particulièrement habile et intelligente de travailler? Le deuxième point, c'est que si on interroge cette assistante maternelle sur le fait qu'elle tricote pendant son travail, à chaque fois, elle est incapable d'expliquer ce qu'elle fait. Car cette ficelle de métier est inventée à partir du corps et se pratique à partir du corps. Et il n'est pas facile de rendre compte de ces savoir-faire qui partent et qui sont incorporés, qui partent du corps et qui sont incorporés. C'est que précisément, l'intelligence au travail est en avance sur la capacité que nous avons de la symboliser, de la formaliser, de l'expliciter, de la justifier et de la transmettre. Et il en est pour la plupart d'entre vous de la même façon. Vous mettez en œuvre des formes d'intelligence dont vous ne savez même pas expliquer. Vous ne vous rendez même pas compte. L'intelligence est en avance sur la conscience. Enfin, on aura deviné, c'est le troisième point, que ce genre de savoir-faire reste aussi dans l'ombre, dans la discrétion, voire dans la clandestinité, parce que ne parvenons pas à les justifier. Les opérateurs préfèrent les cacher. Donc quand on entend l'administrateur arriver, il cache la laine et les aiguilles sous la table. Donc ils préfèrent les cacher. Ces savoir-faire sont effectivement hors normes, hors procédure, et passent souvent pour des transgressions qui pourraient attirer des sanctions. Donc l'essentiel du travail est fondamentalement invisible, comme un philosophe français commenter, travailler sur le plan théorique, c'est Michel Henry dans la phénoménologie matérielle, la phénoménologie de la vie. C'est cela qui constitue une malédiction. On sous-estime presque toujours ce que la production doit à la subjectivité et à la souffrance, parce que ces dernières sont invisibles et ne se mesurent pas.
incommensurable. Voilà, c'est un petit aperçu sur ce que c'est que le travail vivant au niveau individuel. Maintenant, il faut que je vous parle de travail collectif, si vous avez encore impatience de lutter. C'est un peu... Ça marche ? Vous tenez le coup ? Si on s'en tenait à... C'est déjà très complexe, au travail individuel, ce serait une simplification injustifiée de la connaissance du travail. Le travail, en effet, implique aussi... Dans la plupart des situations ordinaires, hein, des rapports avec les autres. On travaille pour quelqu'un, on travaille pour un client, on travaille pour son chef, on travaille pour ses subordonnés, tout à coup, monsieur le directeur, on travaille aussi pour ses subordonnés. On travaille aussi pour ses collègues. Mon travail a des incidences sur mes collègues. Le travail implique aussi parfois le collectif avec en son centre la question de la coopération. Or, il en va de la coopération comme de ce que je viens de vous dire à propos de l'activité individuelle. À savoir qu'il existe toujours un décalage entre l'organisation du travail prescrite, ce qu'on désigne sous le nom de coordination. Coordination, il y a le mot ordre, coordination. Et l'organisation du travail effective, ce qu'on désigne sous le nom de coopération. Tâche. Coordination, coopération, travailler, ce n'est pas seulement mobiliser l'intelligence du corps, c'est maintenant une toute autre intelligence qu'il faut parler. Une intelligence qui s'apparente à une forme de sagesse, à la fois morale et politique. Qu'Aristote a longuement commenté, traduit en français par sagesse pratique, quelquefois par prudentia, si on suit les Romains, travailler sur Aristote. Le terme d'Aristote, c'est phronesis, qui est fondamentalement une intelligence délibérative. La coordination, les savants prescrivent la division des tâches, les attributions, les prérogatives, les limitations de rôle et de fonction de chacun. La coordination est le lieu même d'exercice du pouvoir et de la domination. Et là encore, il suffit de devenir strictement obéissant pour que le pouvoir s'effondre. Quand les salariés exécutent strictement les ordres, la production tombe inévitablement en panne. C'est ce qu'on appelle la grève du zèle. Les gens font exactement ce qu'ils disent. Même dans une armée, si les hommes s'en tiennent à obéir rigoureusement aux ordres, c'est une armée vaincue. Dans l'armée, on dit, doucement, on le dit, il faut interpréter les ordres. La coopération, donc, c'est autre chose que la coordination. Elle implique un remaniement, cette fois-ci consensuel, avec un remaniement de l'organisation prescrite. Pour cela, il faut à ceux qui s'efforcent de travailler ensemble, dans un collectif ou dans une équipe, il faut remanier la division des tâches et des hommes en inventant des règles pratiques, admises et respectées par tous. Alors, je ne dois pas commenter tous les chaînons intermédiaires de la construction de la coopération. Mais c'est passionnant, évidemment, c'est incroyable. L'intelligence qui est. Et tous les gens ne savent pas qu'ils le font. Incroyable. Je signerai simplement que cela exige que s'établissent entre ceux qui travaillent, premier point, des relations de confiance. C'est la condition pour que chacun ose montrer aux autres comment il travaille. Sans craindre qu'en révélant ses tricheries, ça ne se retourne contre lui. Donc je ne montrerai ce que je fais que si j'ai confiance en moi. Et il ne peut pas y avoir de coopération entre les gens s'ils ne savent pas comment l'autre travaille. Il faut accepter de montrer son travail. Alors, s'il y a des relations de confiance, peuvent être mises en discussion les différents modes opératoires de chacun. Chacun va dire comment il travaille. Pour décider ensemble ce qui peut être admis et ce qui doit être évité ou interdit. Donc, outre la confiance et la visibilité, il faut encore être capable d'exprimer son point de vue et être même capable de justifier et de défendre son opinion sur sa propre manière de travailler. C'est assez compliqué. Troisième point, il ne faut pas seulement être capable de parler, de dire comment et de justifier pourquoi je travaille comme ça.
il faut, et c'est ça qui est très compliqué, de mon point de vue, mais qui est en même temps très passionnant, il faut être capable d'écouter les autres. Comment ils font? Comment ils se justifient? Écouter, c'est très difficile. Pour des bonnes raisons, c'est très difficile. C'est déjà très difficile de parler, mais écouter, c'est encore plus dur. Tout ça consiste, en fait, quand ça marche, quand les gens sont tour à tour capables de parler et aussi d'écouter les autres, alors on arrive à la possibilité de ce qu'on appelle une délibération collective sur le comment travailler ensemble. Délibération, c'est ça la fameuse intelligence délibérative dont parle Aristote. La phronesis, voilà, qui repose sur la bouleusis, en grec, bouleusis qui est délibération, et eubulia, la bonne délibération, la délibération rationnelle. Les gens délibèrent, discutent des différentes manières de travailler, parlent, justifient, s'écoutent. Dans le meilleur des cas, après la délibération, on arrive à des accords consensuels sur les manières de faire et de travailler, sur les responsabilités, les obligations de chacun. Il y a beaucoup de situations de travail quand ça marche bien où les gens arrivent à des consensus sur la manière de tricher avec la corde, d'interpréter les autres. Dans d'autres cas, l'accord consensuel ne peut pas être obtenu. Il y a litige. Et il faut bien à un moment donné trancher par une décision parce que les gens discutent. Ça ne sert plus à rien de parler, on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Ce sont les gens dans l'équipe qui souhaitent, à la fin, qu'il y ait un arbitrage. Décide, quelqu'un décide, on fera comme ça. Alors c'est un problème très intéressant que je n'ai pas le temps de développer. Comment l'arbitrage fonctionne? À quelles conditions un arbitrage fonctionne-t-il? C'est-à-dire que quand la décision est prise, on va faire comme propose Martine. Qu'est-ce qui fait que cette décision est reconnue et admise par les autres? Ceci implique maintenant une toute autre dimension du travail et de la délibération, qui est la question de l'autorité. L'autorité de l'arbitrage. Et maintenant, on entre dans un autre domaine que je n'ai pas le temps de développer, qui est la question de la coopération verticale, qui est un domaine tout à fait passionnant. Qu'il s'agisse d'un arbitrage ou qu'il s'agisse d'une décision par consensus, on aboutit à ce qu'on appelle un accord normatif, c'est-à-dire un accord qui fera désormais référence pour tout le collectif. Et lorsqu'on réussit à agréger plusieurs accords normatifs entre eux, on parvient à construire ce qu'on appelle des règles de travail. C'est très noble, une règle de travail. Et quand on a plusieurs règles de travail particulières entre elles, ça forme ce qu'on appelle un métier ou des règles de métier. On peut montrer facilement, à partir de l'analyse du processus de construction des règles, que cette règle n'est jamais uniquement à vocation technique, à vocation instrumentale. Elle est en même temps et toujours une règle sociale qui organise la civilité et le vivre ensemble. Pour les raisons que je vous ai dites, qu'il faut une délibération dans laquelle on parle, dans laquelle on se justifie, dans laquelle on dit la vérité, et dans laquelle on écoute la vérité des autres. En raison de la forme même de cet espace de délibération, tout accord normatif et toute règle traite non seulement l'efficacité, mais traite aussi la question du vivre ensemble. En somme, les règles de travail structurent le travail concret en donnant à la coopération proprement dite, une forme qui est sensiblement différente de la coordination. À cette activité de construction de règles, qui consomme une bonne partie de notre temps et de notre énergie, parce qu'elle exige du temps de réunion et de délibération, on donne le nom d'activité déontique. C'est un terme un peu barbare. Déontique, c'est-à-dire ce qui est en amont de la déontologie. La déontologie, dans un certain nombre de métiers, cette activité déontique aboutit à des règles, lesquelles passent dans la loi. Elles passent dans la loi, ça s'appelle la déontologie. Déontologie médicale, déontologie des notaires, déontologie des
architectes, il y a des savoirs de métier qui deviennent des déontés. Dans tous les métiers, il y a une activité déontique de production de règles qui ne va pas jusqu'à la déontologie. C'est très 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 important, cette activité déontique. Et il n'y a, à proprement parler, de collectif, et il n'y a véritablement de coopération, que lorsqu'il y a des règles qui organisent l'activité commune. Sinon, ce n'est pas un collectif. C'est un groupe. Et quand c'est un grand, ça s'appelle une foule ou une masse. La caractéristique, c'est précisément qu'elle n'a pas construit de règles entre elles. Du point de vue qui nous intéresse ici, c'est sans doute la question des ressorts psychologiques de cette activité déontique. Ce qui est requis ici n'est pas seulement de l'ordre de l'obéissance ou de la docilité. C'est même le contraire, puisque la construction de la coopération, c'est contre la coordination. Il y a toujours un rapport de contestation, ce qui ne veut pas dire que la coordination soit inutile. C'est une contestation qui n'a pas vocation destructrice, elle a vocation de transformer, d'adapter, d'ajuster. Mais c'est une contestation. Et donc, il faut l'espace de délibération, c'est un espace de contestation à l'intérieur même du travail. Et c'est ça qui est très mal supporté, évidemment, déjà autrefois par les ingénieurs, mais très très mal supporté par les gestionnaires dans le système néolibéral actuel. Comme vous pouvez vous en rendre compte, travailler ensemble, ce n'est pas donné, ce n'est pas naturel. Ça suppose d'importants efforts d'implication. Encore une fois, il n'existe pas de travail de stricte exécution. Pour pouvoir coopérer, il faut prendre des risques, entre autres celui de se manifester, de montrer ce que l'on fait et de dire ce que l'on pense. Indubitablement, c'est prendre des risques. Mais alors, pourquoi les gens qui travaillent consentent-ils à prendre des risques au lieu de faire tous la grève du zèle, qui est sûrement beaucoup moins coûteuse et que, au fond, une pratique à minima, un certain nombre de travailleurs qui s'en tiennent au strict minimum, malgré le milieu des autres, etc. Pourquoi ? Pourquoi les gens font de tels efforts au travail ? Pourquoi ? Ceux qui participent à l'activité déontique, à la vie du collectif et au vivre ensemble, apportent en fait une contribution majeure à la coopération et donc à l'organisation du travail effectif. Ils apportent aussi une contribution à l'entreprise ou à l'institution, et au-delà, ils apportent de cette façon une contribution à la société. S'ils s'impliquent de la sorte, c'est parce qu'en échange de cette contribution qu'ils apportent, ils espèrent une rétribution. Or, la clinique du travail est sur ce point irréfutable. La rétribution qui mobilise la majorité des travailleurs n'est pas la rétribution matérielle. Non pas qu'elle soit sans importance, bien sûr, mais ce n'est pas le moteur de cette intelligence dont je vous parle. La rétribution attendue est avant tout une rétribution symbolique. La puissance de la rétribution matérielle sur la mobilisation subjective elle-même ressortit à sa dimension symbolique. Voire très étroitement à des critères de justice et d'équité. Je pourrais vous montrer là, sur des exemples de gens qui gagnent des bonus extraordinaires, 500 000, 1 million de dollars de bonus. Eh bien, il y a des banquiers, ils sont habitués à recevoir chaque année 1 million, 1 200 000 dollars de bonus à la fin de l'année, et puis l'année suivante, ils ne touchent que 800 000. Qu'est-ce que ça veut dire? N'avoir que 800 000 alors que les autres années je n'ai 1,2 million, c'est peut-être le signe que ma position commence à se fragiliser dans la hiérarchie de la banque. Ça peut être déjà le signe d'une perte de statut, une perte de prestige, une fragilisation de ma position, voire du fait que les autres sont maintenant organisés entre eux pour commencer à me faire dégonfler. Et c'est comme ça que des banquiers qui n'ont touché que 800 000 dollars à la fin de l'année tombent malades.
et se retrouve sur le divan du psychanalyste. Donc ce n'est pas l'argent, parce que 800 000 moins 1 million 2, ça ne changera pas vraiment leurs conditions de vie. Et ça, c'est la dimension symbolique qui est catastrophique. Et évidemment, elle est très importante, parce que derrière le symbole, il y a effectivement quelque chose qui se trame. Ça, c'est sûr. Pas pour rien, c'est sûr. C'est certain. C'est son sens, pas la dimension matérielle. Eh bien, qu'est-ce que les gens attendent comme rétribution? Cette rétribution symbolique, cette rétribution morale, elle prend une forme très spécifique. Et cette forme, c'est la reconnaissance. Au double sens du terme. Reconnaissance au sens de gratitude pour la contribution, gratitude pour le service qu'ils ont rendu à l'entreprise. Reconnaissance au sens, donc, bon, la gratitude, si vous voulez, c'est très rare. Ça existe quelquefois, mais dans l'ensemble, on a beaucoup de mal à reconnaître la gratitude pour un certain nombre de raisons qu'on pourrait discuter. Mais il y a un deuxième sens du mot reconnaissance, une deuxième dimension, c'est un jugement qui porte sur la qualité du travail accompli par celui qui, justement, s'est engagé dans cette intelligence au travail. La reconnaissance, elle aussi, n'atteint son efficacité symbolique que si elle est obtenue et si elle est conférée selon des procédures dont les critères sont extrêmement précis. La reconnaissance que les gens attendent, ce n'est pas simplement une table, c'est bien. La reconnaissance, je n'ai pas le temps de le développer vraiment maintenant, mais c'est assez connu maintenant, c'est très bien de décrire au moment du travail, elle passe par des jugements. Il existe deux formes de jugement par lesquelles passe la reconnaissance. Le premier, c'est le jugement d'utilité, qui porte sur l'utilité économique, technique ou sociale de ma contribution à l'organisation du travail et à la réalisation des tâches. Nous sommes très attachés à ce jugement, grâce auquel mon activité est reconnue comme un travail et pas seulement comme un passe-temps ou un loisir. Donc le jugement d'utilité, la dimension utilitariste, nous cherchons tous à être utile et reconnu comme utile. En contrepartie de cette utilité, en effet, je gagne une place dans la société. Madame Dupont, vous êtes devenue inutile. C'est devenu inutile. Les chaudronniers dans les centrales nucléaires où j'ai fait enquête, chaudronniers, vous êtes devenus inutiles. On peut vous remplacer par des ingénieurs système. Ce genre d'allégation est psychologiquement éprouvant et délétère. La mise au placard, je ne sais pas comment on dit ça en espagnol, la mise au placard, donc, sont des gens qui travaillaient et quand on ne veut plus qu'ils soient présents sur le lieu de travail, notamment depuis le tournant gestionnaire, c'est-à-dire le passage des ingénieurs aux gestionnaires. Les gestionnaires n'aiment pas les gens qui sont vraiment des gens de métier, parce qu'ils contestent les objectifs de gestion à partir de la matérialité du travail. Donc, ils se débarrassent d'eux en les mettant dans des placards. Ça, c'est beaucoup fait en France, c'est fini maintenant. Maintenant, on les met à la porte. Mais il y avait des lois, il y avait un droit du travail en France qui fonctionnait relativement bien jusqu'à la fin du XXe siècle. Et donc on ne pouvait pas licencier. Donc on les mettait au placard. Ils étaient là, ils touchaient leur salaire, mais ils avaient interdiction de travailler. Ben, ces gens-là tombaient malades. Parce que le fait d'être un inutile, c'est extrêmement pénible. Et ça a un impact sur la santé. Le jugement d'utilité, c'est le premier jugement. Il y en a un deuxième qu'on appelle le jugement de beauté, parce qu'il s'énonce toujours avec des qualificatifs qui ont à faire avec la beauté. Il connote la qualité, la beauté d'un travail, la belle ouvrage, une jolie façon, la conformité avec les règles de l'art. Ce jugement est encore plus important vis-à-vis de la santé mentale. Car en contrepartie de cette reconnaissance est conférée l'appartenance. En reconnaissant la qualité de mon travail, l'équipe m'octroie de facto l'appartenance. J'appartiens à cette équipe.
Par ce jugement, on peut aussi accéder à l'appartenance à un métier. C'est en montrant son travail, parce que sa qualité est reconnue par les autres, qu'un psychanalyste devient enfin une association psychanalytique. Très difficile. C'est lorsque son article est enfin accepté par le comité de lecture d'une revue scientifique internationale que le doctorant devient vraiment un chercheur reconnu. Si on avait le temps, je ne sais pas si vous m'autorisez, je pourrais vous montrer que cette question de la reconnaissance ne se joue pas de la même façon pour les hommes et pour les femmes. Vous me donnez un instant? Vous supportez? Parce qu'il y a une division sociale du travail, qui évidemment divise le travail d'une façon inégale entre les hommes et les femmes, et qui assigne aux femmes des tâches qui ont la particularité d'être des tâches qu'on désigne en clinique du travail sous le nom de tâches discrètes. Voilà. Je vous en donne un exemple. Vous avez une infirmière, une panseuse, c'est-à-dire celle qui est responsable dans le bloc opératoire. L'opération est longue et difficile, c'est une greffe du rein, ça prend des heures, et le chirurgien commence à se fatiguer. Il rate une ou deux hémostases, et puis la sueur commence à perler sur son front. Alors la panseuse, discrètement, elle va chercher une compresse, elle met de l'eau stérile dessus, elle passe derrière le chirurgien, et tout doucement. La compresse s'ouvre. C'est un geste de discrétion, c'est un geste comme ça, dans lequel, bien sûr, elle le fait parce qu'elle ne veut pas que la sueur tombe dans la soupe. C'est pas ça. Elle fait ce geste pour dire quelque chose au chirurgien. Je vois que vous êtes fatigué, c'est un geste d'encouragement. Lui, de sentir qu'on se rend compte qu'il est fatigué, ça retarde l'énergie. Alors vous imaginez tout le problème qui se pose. Après l'intervention chirurgicale, comment va-t-elle demander la reconnaissance de ce geste, comme un geste de travail? J'ai eu du tact, hein. Donc, vous voyez la contradiction. Ce geste ne peut marcher que s'il ne se dit pas. Donc la question de la reconnaissance, compliquée. Or les femmes, elles sont tout le temps dans des tâches comme ça. La secrétaire, elle fait plein de choses de cet ordre-là. Elle sent que le patron est fatigué, hop, elle lui porte un petit café. Personne ne le prescrit. À revendiquer une reconnaissance pour la tasse de café qu'elle lui a apportée au bon moment. La secrétaire, elle est une fois dans un service hospitalier ou un service de recherche, elle avait une secrétaire pour plusieurs personnes. Tous les chercheurs, tous les médecins viennent et parlent, et racontent leur vie à la secrétaire. Elle doit subir, écoutez, je raconte, je Et puis elle entend dire des choses horribles sur les collègues. Et à peine elle finit qu'il est parti, et paf, c'est le collègue qui entre, et elle sait tout ça. Elle ne doit rien dire. Elle sait les choses, elle ne doit rien dire. Une secrétaire, c'est secrétaire. Secrétaire, elles doivent. Donc la discrétion, c'est une qualité fondamentale de la secrétaire, mais elle ne peut pas le montrer, puisque si elle le montrait, évidemment, elle ruine la qualité. Or, c'est très pénible d'avoir à tenir tous ces secrets, quelquefois, tous ces gens qui viennent se plaindre sur la secrétaire. Et c'est quoi ce travail? Pourquoi ils viennent se plaindre? Parce qu'elle les écoute. Parce qu'il y a des gens. Tout ce travail est en réalité constitutif du métier de secrétaire. Donc c'est Et je peux vous en raconter. C'est comme le ménage. Le ménage. Le ménage, il ne se voit que quand il n'est pas fait. Donc,
C'est ce qu'on appelle la phénologie. C'est le don enchanté de soi. Donc, toutes ces tâches, qui sont généralement dévolues aux femmes, ne peuvent pas faire l'objet d'une mise en visibilité, et donc ne peuvent pas être connues. Donc la reconnaissance, elle n'est pas du tout la même pour les hommes et pour les femmes. C'est un exemple que je peux vous donner, mais je peux vous montrer des centaines d'exemples comme ça, et on a étudié beaucoup en France, aux États-Unis. J'ai des collègues qui ont travaillé aux États-Unis sur quand les femmes sont chirurgiens, par exemple, donc chirurgiennes, elles ne peuvent pas faire la chirurgie comme un chirurgien. J'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais c'est pas parce que vous êtes en bas seulement, parce que vous êtes secrétaire ou parce que vous êtes employé de maison. C'est aussi quand vous êtes dans les postes élevés qu'un homme et une femme ne sont pas dans la même situation. Il y a déjà très longtemps, en 1927, il y avait une première publication sur parce que ça va me revenir maintenant à l'instant présent, c'est John Rivière, psychanalyste américaine, 1927, qui décrit « The femininity as a masquerade », la féminité mascarade. Pour qu'une femme de ce niveau-là puisse faire une intervention dans un congrès en 1927, il faut qu'elle joue, qu'elle fasse une mascarade de « Ah non, 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 je le dis très discrètement, elle ne peut pas. » Un homme arrive, il a un discours assez rhétorique, construit, affirmatif. Une femme ne peut pas dire la même chose qu'un homme parce que c'est inacceptable. Donc il faut qu'elle joue à « Oh, je pense que peut-être… » On fait des coquetteries. Vous voyez, c'est plus la même forme scientifique. Et je peux vous montrer que ça perdure aujourd'hui et que les hommes et les femmes ne jouent pas à la question de la recherche et ne jouent pas à la question de la rhétorique de la démonstration de la même façon. Et tout le monde du travail est traversé de la même façon par ces rapports de genre qui sont… ubiquitaire. Je ne vous en donne qu'un exemple là, mais tout ce que je viens de vous dire exigerait en réalité que je conjugue la psychodynamique du travail au masculin et au féminin de façon différente. C'est juste pour vous indiquer. Voilà. On comprend donc que la reconnaissance, en conférant et l'appartenance à la société, et l'appartenance à un collectif ou à une équipe ou à un métier, permet à celui qui bénéficie de cette reconnaissance de sortir de la solitude sociale, ce qui est déjà énorme en soi. Mais la reconnaissance peut aller jusqu'à transformer le sujet lui-même à ses propres yeux. En effet, pour la plupart des êtres humains ordinaires, l'identité n'est pas bien assurée à l'issue de l'adolescence. Cette identité a besoin d'être confirmée par le regard des autres. Lorsque notre identité est sortie meurtrie d'une enfance que nos parents nous ont gâchée, cette identité est comme inachevée, en attente. Cet inachèvement pousse le sujet à s'exposer à ces épreuves du travail qui lui permettent d'accroître son identité par la reconnaissance, de la compléter, de l'accomplir. Il existe deux façons d'accomplir son identité. La première, c'est l'accomplissement de soi dans le champ érotique. Et ça passe par l'amour. Et la deuxième, c'est l'accomplissement de soi dans le champ social. Elle passera toujours par le travail et la reconnaissance du travail. Et cette seconde, cette occasion de la reconnaissance du travail constitue une deuxième chance, du point de vue de la santé mentale, pour ceux dont l'enfance à amputer les possibles développements de leur identité. Mais c'est aussi une deuxième chance pour ceux qui n'ont pas de chance en amour. C'est important. Non, c'est très important. Beaucoup de gens ont des problèmes, surtout les psychanalystes. Mais enfin, non. Les gens ont des malheurs en amour et beaucoup d'entre eux sauvent leur identité et leur santé mentale parce qu'ils ont un rapport qui réussit au travail. C'est très important, c'est une deuxième chance, mais c'est une deuxième chance qui compte beaucoup. C'est un peu paradoxal pour un psychanalyste, mais c'est quand même quelque chose d'important à dire. Voilà. Le travail, il a une,
valeur essentielle vis-à-vis de la santé mentale, et c'est pas seulement la sexualité, c'est aussi le travail et la sublimation qui jouent un rôle majeur. C'est aussi la raison pour laquelle ceux qui sont privés de travail sont privés du droit d'apporter une contribution et du coup ils perdent la possibilité de recevoir la reconnaissance, les jugements de beauté, les jugements de dignité, et c'est très difficile de tenir sa santé mentale quand on ne reçoit pas cette gratification considérable que constitue la reconnaissance du travail. C'est ce qu'on appelle la subjectivité, la centralité subjective. Alors écoutez, je pense que j'ai été déjà très long, j'ai encore des choses à dire bien sûr, mais je vais m'arrêter là. Je pense que ça suffit pour vous donner une idée de ce que c'est que la psychodynamique du travail, et de dire qu'à partir de cette connaissance des conditions qui rendent possible le plaisir au travail, il faut retenir cette leçon fondamentale. Aujourd'hui, dans l'organisation du monde néolibéral, qui est une vraie mutation dans le monde du travail, avec traduit sur le plan du travail ordinaire par ce qu'on appelle le tournant gestionnaire, dans ce monde, c'est vrai que le néolibéralisme méprise le travail vivant et d'une certaine façon aussi méprise les êtres humains. Ce n'est pas une raison, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Le travail est une véritable possibilité d'accomplissement de soi. Et en plus, avec ce que je vous ai expliqué de cet espace de délibération, le travail, c'est pas seulement quelque chose qui est central pour votre santé mentale, c'est aussi quelque chose qui est central, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais qui est central pour la démocratie. L'espace de délibération dont je vous ai parlé, qui est nécessaire à une organisation du travail rationnel, cet espace de délibération, il est construit comme un espace démocratique. Dans laquelle il faut apprendre à parler, défendre son opinion, et aussi apprendre à écouter les autres. J'aurais des longues choses à vous dire là-dessus. Le travail est une occasion extraordinaire d'apprendre la démocratie. Pourquoi j'insiste là-dessus? Pour vous dire que ce n'est pas parce que le néolibéralisme aplatit tout ça. On ne veut pas entendre parler de coopération. C'est très important dans le New Public Management, on ne veut pas entendre parler de coopération. Je ne veux pas. La coopération, c'est pour le néolibéral, pour le gestionnaire, c'est ce derrière quoi se cachent les individus qui ne veulent pas prendre de responsabilité. Ça, c'est la conception néolibérale du travail qui est vraiment fausse, et qui est totalement fausse. En réalité, pour eux, c'est coopération, les liens de coopération, c'est néfaste. Néfaste pourquoi? Pour la domination. Et ils sont prêts à casser tous les ressorts de la coopération. Et ça fait partie de la doctrine officielle du New Public Management, détruire la coopération. Je ne veux que des individus responsables, individuellement séparés des individus. L'évaluation individualisée des performances est l'instrument majeur qui met tous les êtres humains en concurrence les uns avec les autres, les isole les uns des autres, détruit les formes de coopération, de solidarité entre les gens, détruit la coopération. Ils sont prêts à sacrifier la coopération comme ressort de la production de travail. Ils sont prêts à casser la coopération comme ressort de la santé mentale au travail parce qu'il y a un bénéfice en termes de domination. Ce n'est pas parce que nous sommes aujourd'hui sous la domination massive, le succès écrasant du néolibéralisme, que nous ne devons renoncer, non, à nous battre sur cette question du travail. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. La centralité du travail, elle est d'abord une centralité subjective vis-à-vis de la santé mentale, mais elle est aussi une centralité politique, il ne faut pas la lâcher. Voilà. Il y a une possibilité, je pourrais vous le montrer aussi, il y a des possibilités d'action, y compris aujourd'hui, en système néolibéral, pour reconstruire les liens de coopération que les autres veulent détruire. C'est une bataille. C'est vrai qu'en ce moment, le tableau est assez désastreux, mais je peux vous montrer que même en France, aujourd'hui, c'est encore possible de gagner des parties et de recomposer la coopération dans un endroit. Et pour ça, il faut évidemment connaître les
corps, pour connaître les schémas conceptuels, parce que sinon on n'ose pas se battre contre la puissance de la domination qui s'en va suivre. D'où aussi le fait que la connaissance du travail du point de vue de la clinique et de la psychodynamique, c'est aussi peut-être une clé pour l'action rationnelle.